garanti avec le label de qualité dessus. Vous voyez ici c'est marqué 9, donc c'est un label de qualité. Ouais, c'est ça. Tu sautes en l'air et tu restes. Ah. Alors pour tous ceux qui veulent de ce bambi la plus féroce, c'est ça là, devant un huissier que je ne nommerai pas. Alors pour qui garde l'anonymat la plus totale, alors pour le sac de sable, attention mesdames et messieurs, le sac n'est pas à 100 francs. Bon. Eh oui, et aux 5 premiers clients, nous leur offrons un coquillage avec un label de qualité agréé SCDG. Les habits baigneurs nous rapportent que la température de l'eau est de 23 degrés. La température à l'ombre du abri est de 26 degrés. Ouais. Je rappelle l'attention de certaines personnes qui voudraient du sable que nous en disposons ici au stand de la marée. Du vrai sable de marée, du sable fin, du sable frais, du sable chaud. Enfin, du vrai sable propre, tout ça impacté, ficelé pour votre plus grand plaisir. Alors n'hésitez pas. La marée monte. T'as vu? On est bien là, hein? Bien sur la plage. Voilà. C'est plage de sable. Ah ça, dans les... quel état tu m'as mis l'océan? C'est pas un océan. Elle dit ça parce que... Cher. Comme à la petite chapelle, on était. Ouais, mais à la petite chapelle. Nous déloger. Oui, je me pas de brother, vous allez voir du grand théâtre de rue avec trois fois rien. Et hop, t'arrives en moto, hein. Alors t'arrives ici, tu viens ici et tu dis « Seran, ne vois-tu rien me dire ?» C'est un texte en moi, ça, vas-y. Seran, ne vois-tu... Seran, ma voiture est ici. On lui traduit « Seran, ne vois-tu rien me dire ?» par « Seran, ma voiture est ici ». C'est bien, hein. Moi, je refais un petit tour pour ceux qui étaient par là depuis le début. Ça s'appelle la mèche rebelle, recule un peu. Fais gaffe, il y a un téléphone qui filme. Voilà, allez, bonjour, mets le truc. Alors, à ce moment-là, tu enlèves ta chemise, tu te fous à poil et tu décolles. Vas-y. Mais non, les Hollandais sont vachement plus libres, on va en profiter. You are naked and you fly. You are naked and you fly. I fly. Ouais, ouais, you fly. Très bien, alors tu restes ici et t'envoies une bombe à... Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes où? Vous êtes dans les coulisses de l'artiste. Jean Malin, vous êtes suivi par votre fille, méfiez-vous. Bon, attention, je vais faire un pétard, bouge pas, t'envoies une bombe. C'est le système Mururoa. Il y a des fuites, hein. Le problème de la rue, c'est qu'il y a souvent des fuites. Ça s'appelle une bombe à la tomate. Reculez là. Je vais faire un numéro extraordinaire. Oh là là. Non, reste là, bouge pas une seconde, j'allais prendre le tour. Reculez s'il vous plaît, ça va péter. Reculez, ça va péter. Là, je suis sûr que les gens, ils arrivent. Reculez, ça va péter. Voilà, attention, une passoire. Ah, ça s'appelle le GIGN, c'est une protection spéciale. Attention. Attention, recule. Ah, il est content, t'es fin. Hein. Attention, c'est une mèche ultra courte. Il a tellement pété dans les doigts en plus. Ça pète ou pas là? Le problème des pétards, c'est que. Voilà. C'est toujours très attractif un petit pétard. Hein. Attention! Je vais la rattraper au vol! Attention! Oh la vache, vous avez vu, elle a été réduite à l'état de substance. Hein. Enfin, c'est pas grave. C'est juste pour attirer les gens parce qu'il y en a qui se barrent. Alors, toi, t'arrives, t'es en moto. Très bien, bouge plus. Stop, t'arrives. Vous voulez, attends, t'es là. Pardon, t'es pas reconnu, je vais mettre un costume aussi pour lui. Tiens, tu me mets une jupe, c'est très joli. Tiens, mets la jupe. Si, c'est Jean-Paul Gaultier. Quand je l'ai piqué à Rick Casaray, je sais plus qui. Voilà, très bien. Voilà, ça te va bien. Ouais. Bon, il faut que tu bandes un peu pour que ça tienne. C'est une façon de parler. Bon, ah, il y a une scène déjà, vous voyez, c'est vraiment... Ah, tiens, le chien, un tigre nain du Japon peint en noir qui passe ici. Tu gardes les barreaux comme ça. Alors toi, tu dis, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça.
Bon, Hartung. Bon, ça va. À ce moment-là, vous faites la forêt. Je vous donne. Passons les poireaux, on va faire une ambiance tropicale. Non, si ma mine commence à faire chaud, je fais toujours des ambiances tropicales. Vous en prenez un chacun. Vas-y, y'a plus de pétard, t'inquiète pas, c'est un poireau. Voilà, t'en as, tu prends un poireau, c'est pour une ambiance tropicale. T'en prends un ici. T'en prends un ici. Voilà, t'en prends un là. Ah, c'est super. Voilà. À ce moment-là, non, mais vous mettez très haut comme ça, ça fait une ambiance. La dame, madame, on laisse les tropiques, vous pouvez revenir au balcon. Voilà, hop. J'en prends un ici. Super, tu sors pas avec, on est pas aux Jeux Olympiques. Voilà, très bien ici. Il y a une ambiance dans la rue tout de suite. Tiens, un petit ici là. Hein? Puis ça rafraîchit. Ah, ça rafraîchit. Oh là là, il y a une ambiance. Bouge pas. Ah, continue à filmer, toi, c'est pour perdre de vue. Voilà, continue à mettre les poireaux bien haut là. Bien haut, vous les faites onduler. D'ailleurs, vous faites la mousson, vous le crachez dessus. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. À ce moment-là, on a été où? T'as suivi un peu? Alors, tu gardes les barreaux comme ça, maintenant plus je comprends plus rien. Alors, toi, tu dis. Ah, quel texte, quel texte. Et toi, tu dis, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Très bien, tu viens ici. Très bien, et toi, tu sors ton épée. Tu fais chat. Ouais. Plaf, il me l'a mis dans l'œil. Donne-moi un poireau. Alors, donne-moi le poireau, c'est pour faire une épée, on n'a pas beaucoup de matériel. Alors, tu sors l'épée, tu fais en garde. Allez, vas-y. En garde. Vas-y, en garde. En lui fait en garde, on l'a vu que c'était un poireau. Tu viens ici. Tu viens ici, tu sors l'épée, tu fais en garde à lui. Ah. Vas-y. Très bien, toi tu prends ton arc, on n'a pas beaucoup de matériel, hein. Tiens, prends celui-là. La flèche, je vais te donner la flèche. Ah, tu penses à la princesse, tu vas prendre, tu fais... Oh là là, ça va être plus simple. Ah, il est un peu déconcentré là. Vas-y. Non, c'est pas grave, ça va. Non, bouge pas, je vais te donner un costume de Romain des Bois, ça tient un bon coup. Voilà, il y a une poire pour la soif, le raisin de la colère, une flèche dans la gueule, tu vas voir, t'es motivé, ça. Voilà. Ah, très bien, tu parles dans la manette, ça sert de micro. Ah, c'est très photogénique, allez-y, fais des photos, ils sont pour là pour la photo, ça va être bien. Ah, bouge plus, tu restes comme ça. Et toi tu dis, ça ne se passera pas comme ça deux fois. Ça ne se passera pas deux fois. Bien, attention. À ce moment-là, toi tu viens ici, tu prends ton arc, la flèche, donne-moi une autre flèche. Tiens, donne-moi une flèche. Ah, il a le soleil dans l'œil, c'est pour ça. Et mettez-vous ici, vous avez le soleil dans l'œil, passe-moi la flèche. Pour la flèche, hop, tu peux baisser la musique parce que, là, très bien. Tu prends l'arc, la flèche et tu bandes l'arc avec la flèche. Vas-y, vise. Bonjour madame. Je vous demande des Esquimaux, ils sont là, ils vous attendent. Vas-y, tu prends la flèche. Ah, dans une plume, la flèche, il comprend rien. Alors lui, fait... C'est rigolo. La flèche part. Non, c'est bon, c'est la flèche, elle part. Lâche. Lâche ta flèche. Alors, on va faire une histoire en Europe. Alors, tu viens ici. La flèche part, vite vol. Alors lui, on lui a mis les poireaux, il a mis les trucs sur la tête. Alors la flèche part, vite vol. Continue par ici. Passe par là et tue un pauvre spectateur innocent. Ah, et à toi, t'es mort. Là, tu tombes, t'es mort par terre, par terre, par terre. T'es mort par terre. Oh, il est mort debout avec un coca, tant pis hein, pour cette fois. À ce moment-là, toi, hop, la flèche arrive. Tu la dévies du regard. Tu la dévies. Non, c'est lui qui la dévie. Tu la dévies du... Oh là là. Bon, d'accord. Bon, alors, tu le poignardes entre les omoplates. Sauvagement. Non, t'y arriveras pas. Alors, toi, tu le poignardes entre les omoplates. Bon, le méchant frère va-t-il poignarder Romain des Bois entre les omoplates? Pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez raté le début. Au début, il y avait un numéro de dressage de tank et tout. Vas-y, tu le poignardes entre les omoplates. Les omoplates. Tu comprends rien? Oui. Le chien, vas-y, entre les omoplates. Bah, lui, il rigole. Ouais, on poignarde, il rigole, il est mort de rire. Alors, tu le poignardes au théâtre. Alors, ça sera plus simple. Tu le poignardes ici, tu t'écroules dans un râle d'agonie, un nuage de poussière. Vas-y, tu tombes, t'es mort. T'es complètement mort. Viens. Vas-y, filme, c'est pour TF1. Vas-y, t'es mort, complètement mort. Voilà. Toi t'en profites pour récupérer. Non, tu vas récupérer ta soeur. D'ailleurs, on va récupérer ta soeur. Vas-y. Et dans l'ascenseur, vas-y là. Toi tu te relèves d'un bond, et tu te transformes en Superman, tu le mets face au public, tu te fous à poil et tu décolles. Vas-y. Bon, je sais qu'il y a des gens qui supportent pas qu'on fasse participer le public à un spectacle, mais à ces gens-là, je dirais simplement deux choses. Répartition du temps de travail, stage en entreprise. Bon alors vas-y, tu décolles, complètement nu. Tu peux pas le faire, hier le mec il l'a fait, il s'est foutu à poil, il volait au-dessus du public, c'était bien. Hein. Sauf à un moment, il avait envie de pisser. C'est pour rigoler. À ce moment-là, ton adversaire, ton célèbre Cricky Plus. Voilà. Toi, tu dévies Cricky Plus grâce à un certain type de communication. Vas-y, tu dévies Cricky Plus vers le public, là. Cliquez là, vas-y. Alors vous, Allez-y. Viens. Vous pouvez en profiter pour péter en toute impunité. Alors tu viens ici. Là, c'est pour apprendre aux enfants le mot impunité. Alors tu viens ici et t'envoies les particules de kryptonite vertes sur ton adversaire. Le Superman ne supporte pas la kryptonite verte. Tu prends ça comme ça, t'envoies les petites particules. Vas-y, tu prends bien comme ça, elle bouge pas, tu te défends, t'as une arme secrète. Une arme secrète à la raquette. Hein, bouge pas. Ah, avec la passoire. Ah, super, tu prends ça et tu vises la dame qui est au balcon, là. D'accord? Tu fais, ah là! Vas-y, bouge pas.
Ah, attends, tu peux te rattraper toi aussi, avec ça tu peux faire ça aussi. Ouh, ça va moins loin, ça, non, faut mieux faire une raquette. T'en bouge pas, vas-y, vas-y. Et toi, tu te tires vers le balcon. Okay. Vas-y, on les... Ouais, sur ton doigt, ouais. Attends, mais il est fort. Non, non, t'en bouge pas, t'en bouge pas. Ouais, super, t'en bouge pas, tiens. Tiens, ouais, super, plus vite, voilà. Ouais, oh la vache, il assure. Hein. Dans la gueule, c'est bon pour le teint, c'est très bon. Il y a des gens qui payent des fortunes pour avoir des masques au Kong. Tiens, je chauffe un petit peu là. Hey, t'as vu comment il te défend bien? Ouais, t'as pas, je lui sauterai dessus, je vais vous enlever une gamelle. Vas-y, attention. Tiens, super, à ce moment-là, j'arrête parce que hier, il y a le doigt qui est parti. C'est vrai, le type, il a tapé dans le doigt, il y a une dame qui a pris le doigt en l'œil, qui est tombée, c'est énorme. Non, non, stop, stop, stop. À ce moment-là, tu balances ta roquette, non, ta raquette, tu la balances, non, pas trop loin. Hop, et tu l'hypnotises un grand coup, tu fais tcha. En plus sec, tu fais tcha. 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 Toi, t'as les yeux qui sortent à un mètre. Un bon acteur hypnotisé fait sortir ses yeux à un mètre. Oh, je vais t'expliquer. Tu te dis, oh, voilà. Tu te rapproches comme ça, et toi, tu l'achèves. Tu vois, c'est pour le final, ça va être superbe. Tu l'achèves avec ça, c'est guignol. Il tape comme une bête, c'est prévu. Vas-y, comme une bête, c'est pas vu. Voilà. Bien, sympa, tu t'écroules dans un râle d'agonie, un nuage de poussière. Bien, file dans le short, là. Vas-y, vas-y, t'es mort. Mais t'es mort, oh. Tot, tot. Ah, il fait chaud par terre. Romain Desbois, est-il mort? Non. Dans le public, faut agir, là. Romain Desbois, est-il mort? Non. Va-t-il être pendu? Oui. Ah, il le connaît. À ce moment-là, pendant que tu prends l'ascenseur, l'ascenseur. Superbe, tu vas pas voir la princesse avec un marteau. Alors tu lui fais, oh ma princesse. Oh ma princesse. Alors comme la tour est très haute, vous faites 16, mais après lui, allez-y. Oh ma princesse. Oh ma princesse. 16. Où est-ce que tu habites? Bite. Elles sont un peu coincées ici, non? Hein? À ce moment-là, tu arraches les barreaux et tu sautes dans ses bras. Attention. Ouais, tu sautes dans ses bras. Tu arraches les barreaux et tu sautes dans ses bras. Hop, sautes dans ses bras, c'est le final. Faut les applaudir. Faut les applaudir. Bon, le spectacle que je fais ce soir, c'est pas du tout ça. Là, c'était juste excellent d'aubergine. Oh, ça va être sympa. Ça. Hop. T'as déjà vu ça? Tiens, tata. Ah. Reculez, ça va péter. Reculez, ça va péter. On va faire le final. Attention. Attends. Attention, je vais voir si ça prend. Prend-il? C'est pour tester le vent encore. Hop. Ça prend ou t'éteins? Ça prend ou ça prend pas? Ça y est, ça revient. C'est con, hein? Bouge pas, attention. Ah. Ah, il y a un suspense, là. C'est con, hein? Petit pétard. Il y a plus de suspense dans un seul petit pétard que dans une année d'élevé les garçons. Je vais laisser le chien au-dessus. Ah, attendez. Pète-t-il pas? Vous n'avez pas du feu, s'il vous plaît, monsieur? Vous n'avez pas du feu? Je fais collection de briquets. Merci. Ah, ou alors tu l'allumes, ça te pète dans la gueule, c'est mieux quand même. Au niveau de l'assurance, c'est plus pratique. Ouais, avec ta clope, avec ta clope. Comme ça, hein? Toi, vous ne voulez pas que tu fumes. Mais t'as pas ta clope, pas ta clope, pas ta clope, pas ta clope. Il y a des enfants, j'en prends plus. Quand même, vous arrêtez de fumer. Fumez. Attention. Ouais, attention, t'as un pété. Wouah! Ça va, ça a rafraîchi, hein. Alors, si vous voulez voir autre chose ce soir, c'est où? C'est au chapiteau? C'est où? À l'hippodrome. Ah oui, l'hippodrome, il y a un grand spectacle, c'est pour ça que je fais l'annonce. Gustave Parking avec plein d'autres trucs avant. Je vous remercie de rester, bonne promenade, allez faire vos courses. Au revoir. Voilà. Maribas s'en va galade, messieurs-dames. Pour le plaisir des yeux, pour la chaleur du cœur. Thank you.
Pas un con, la petite dame, elle veut peut-être autre chose. Ah, une petite vanille fraise pour vous. Bon, je vais tout de suite, attention, on va pas salir. Vanille fraise. J'interromps. Est-ce que je peux emprunter le vanille qui... Oui, à Calou. C'est envisageable. À Calou. Vous me laissez les consignes, merci. Merci. Chouchou de l'été, à la pomme à la fraise, les chouchous de l'été, mais là en fait c'est pas ce qu'on va dire.